Oui, bonjour. Ici, vous êtes aux carrières du Liscuit. Donc, c'est une carrière de schiste ardoisier où j'exploite depuis 36 ans. Enfin, je suis exploitant que depuis 1980, mais j'étais salarié avant dans l'entreprise. Donc, ici, c'est une carrière de. C'est pas une carrière d'ardoise, c'est de schiste ardoisier. C'est-à-dire que la pierre ne se fend qu'à des endroits donnés. Et ce qui permet aussi. Donc, d'être complémentaire ou ne pas être concurrent avec les grosses ardoisières qui font des produits finis. Moi, je fournis des produits spécifiques, parce que c'est le produit artisanal. Donc, je travaille pour les monuments historiques, je travaille pour les entreprises de maçonnerie, pour les couvreurs, pour les carreleurs, voilà. Et aussi des décorateurs qui font des pendules ou des gravures sur ardoise. Ici, nous sommes en plein centre de la carrière. Et donc, la roche est très condensée et tout. Donc, on commence par un tir de mine. Un tir de mine. Donc c'est des trous qui sont faits et on met de la gomme qui explose et qui fait bouger les rochers. Mais ici c'est pas une carrière de concassage, donc il faut éviter le maximum de casse. Il y a deux couleurs d'ardoise, une couleur mordorée et une couleur bleue. La couleur mordorée vient de la partie supérieure de la roche qui n'est pas baignée dans l'eau, car celle-ci est atteinte de rouille par le fer contenu dans l'ardoise, tandis que la roche baignée dans l'eau, c'est-à-dire plus en profondeur, garde une couleur bleue. Là, c'est un très très bon bloc. Alors, il faut être toujours très prudent. L'important, c'est de garder la pierre dans son plus grand volume, quoi. Elle est bonne, hein? Elle a un beau bruit. Donc, avec une pierre comme ça, je vais faire un bel opus romain pour mettre à l'intérieur d'une maison. Ça va être retaillé à l'ancienne, puis avec celle-ci qui est plus fine, je vais faire une ardoise de toiture. Chaque pierre est pour un client, c'est pour le carreleur, c'est pour le maçon. Il faut faire suivant la demande. Puis il faut avoir un petit peu de cerveau pour se rappeler que la pierre qui fait 1,50 m par 30, elle est là où on doit tout stocker, puisqu'on nous demande des produits spécifiques, quoi. Des produits spécifiques pour les rénovations et tout ça. C'est un plaisir de le faire, parce qu'après, on a des beaux résultats, et c'est ainsi que. Bon, j'ai quand même travaillé pour l'abbaye de Bourpeau, la cathédrale de Quimper, l'église des Carmes à Pont-l'Abbé.